Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo-Climat. Un temps très calme pour ces prochains jours, avec des conditions anticycloniques. On va même parler de chaleur pour samedi, car nous allons atteindre localement de nouveau les 30 degrés dans le sud de la France. Donc des conditions anticycloniques qui se réinstallent sur le pays, mais nous avons aujourd'hui ce front chaud, puis demain ce front froid qui va nous apporter essentiellement de la grisaille et des pluies faibles. Cet après-midi, nous avons encore ces retours d'est dans l'est du pays, avec quelques averses, de la neige à moyenne altitude, des averses un peu plus nombreuses en direction de la Corse. Le vent va souffler autour de la Méditerranée jusqu'à 90 km/h. Et à l'arrière, cet après-midi, on va voir donc l'arrivée de cette dégradation nuageuse sur la Bretagne, la Normandie, avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km/h. Et le soleil va tout de même rayonner à noter des Pyrénées en remontant vers les frontières belges. Les températures pour votre après-midi, des valeurs de saison, 17 degrés à Paris, 15 degrés à Lille, 16 degrés à Strasbourg, ainsi qu'à Bordeaux, 12 degrés à Aurillac pour la minimale et jusqu'à 19 degrés autour du golfe du Lion. Pour la suite, eh bien, ce soir, on retrouve toujours cette dégradation nuageuse sur la Bretagne, le Cotentin, un ciel qui va se voiler des Pyrénées en remontant vers la côte d'Opale, quelques ondées encore vers les Alpes du Sud ou encore la Corse, et toujours beaucoup de vent jusqu'à 90 km/h. En matinée, le soleil va dominer dans le sud et l'est. Toujours cette couverture nuageuse qui persistera donc de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France avec quelques gouttes dans cette masse nuageuse. Retour des éclaircies dans l'après-midi en direction de la Bretagne et toujours ce ciel un peu plus chargé de l'Île-de-France vers les Hauts-de-France avec quelques ondées. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km/h. Il fera frais en matinée, là où le ciel sera dégagé. Moins 1 degré à Aurillac, 0 degré du côté de Nancy, mais déjà 11 degrés du côté de Rennes. Et dans l'après-midi, eh bien, nous allons gagner 1 ou 2 degrés supplémentaires. On aura 16 degrés du côté de Lille, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, ainsi qu'à Bordeaux, 20 degrés à Toulouse et jusqu'à 23 degrés autour du golfe du Lion. Alors pour ces prochains jours, on attend donc une hausse des températures vendredi et surtout samedi, avec des pointes jusqu'à 30 degrés dans le sud de la France et autour des 24-25 degrés sur la moitié nord avant une baisse à partir de dimanche. Vendredi, c'est le soleil qui domine, quelques passages nuageux de l'Île-de-France vers les frontières du nord-est. Le soleil qui domine donc sur le pays avec une moyenne de 21 sur le nord, 24 dans le sud. Samedi, il va faire chaud dans le sud de la France. On attend des pointes jusqu'à 30 degrés. Le soleil qui va dominer avant l'arrivée de cette dégradation nuageuse le long des côtes de la Manche pour dimanche avec un ciel plus nuageux des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est et baisse des températures attendues sur la moitié nord du pays. Je vous retrouve dans quelques instants, juste après le journal.